Nachamu, 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 ami, nachamu, ami. Nachamu, 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 ami, nachamu, ami. Israël, Israël, Israël. Parce qu'il y a un poids terrible sous cette réunion, et la nuit que j'ai passée m'a confirmé effectivement que les fautes de certains sont très graves en ces temps. C'est les fautes charnelles, rebelles, sont extrêmement graves, et je pense que nous avons déjà vécu des situations comme ça dans des cultes à Balai, rappelez-vous. Il faut que les personnes concernées, n'est-ce pas, s'expriment devant Dieu et se repentent devant Dieu. Autrement, nous ne pourrons pas continuer à louer le Seigneur en ce moment. Alors, on vous écoute et s'il vous plaît, soyez honnêtes, soyez courageux. Nous sommes chacun chez nous. C'est facile de zapper sur cela. Mais en attendant, lorsque vous vous comportez d'une façon rebelle, pécheresse, sournoise même, hypocrite, il est clair que vous amenez du trouble dans le corps et vous devez pouvoir, n'est-ce pas, vous exprimer. On vous écoute. Seigneur, pardon, Seigneur, pour... Tu pourrais te nommer, mon frère. Je demande vraiment pardon, Seigneur. Non, j'aimerais que tu te nommes aussi. Pardon ? J'aimerais que tu te nommes. C'est Yaakov. Seigneur, je demande pardon, ma rébellion, Seigneur, pardon pour... tout ce qui est charnel en moi, Seigneur, et qui a apporté du trouble. Pardon, Seigneur, vraiment, pour ce trouble que j'ai,
que j'ai apporté, Père, au nom de Yeshua. Amen. Moi aussi, je veux demander, c'est Arnaud, et je veux demander pardon, Seigneur. C'est vrai que mon comportement charnel et impulsif apporte du trouble dans l'œuvre, et je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon aussi, Raïm, pour ce qui s'est passé avec le rapport en début de semaine. Et je demande pardon à l'œuvre et pardon, Seigneur, parce que j'ai un comportement charnel, impulsif et rebelle dans le fond, qui cherche ce qui lui plaît. Et je te demande pardon, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Shoshana, je te demande pardon, Seigneur, pour ma rébellion aussi, pour mon manque d'amour pour Raïm, pour avoir désobéi, Seigneur. Et je demande pardon vraiment. Amen. Frères et sœurs, j'aimerais vous rappeler, même si c'est enregistré, qu'au chalet, le Seigneur m'a dit, c'est terminé. Vous savez, je l'ai écrit à deux personnes. Si je dois fermer l'église de manière à ne plus fonctionner avec des gens qui sont ouvertement des sources de troubles permanents depuis des années, certains, et me contenter d'une équipe restreinte, mais de gens avec qui je peux vraiment travailler, paisiblement. Je suis disposé à le faire. Ou s'il faut restreindre dans l'Église le nombre de membres, la Bible nous dit de sortir le méchant de parmi vous. Et je répète, le méchant n'est pas nécessairement celui qui a un mauvais caractère ou des choses comme ça, non. C'est celui qui persévère au fil des ans, tout en se disant chrétien, dans des comportements qui indiquent profondément que l'âme est rebelle, profondément rebelle, et ne va qu'à ses passions, à ses désirs, dans la désobéissance. Mes amis, dans l'Église, Dieu a établi une autorité, la sienne. Elle passe par des ministères et des anciens. Si nous nous opposons en face, tout en disant que nous sommes de bons chrétiens, nous sommes méchants. Et dans ce cas-là, il est tout à fait possible que l'on vous demande de sortir de l'Église. Voilà. On peut essayer de louer le Seigneur encore maintenant, d'un cœur bon, et que ceux qui doivent se repentir se repentent et réfléchissent sérieusement, très sérieusement, aux années qu'ils ont passées dans l'Église et où ils n'ont été que source de difficulté. Je vous répète, la clé, c'est votre orgueil, c'est votre désobéissance, c'est votre rébellion. Vous n'en avez jamais fait qu'à votre tête et vous n'avez jamais, jamais, jamais connu le Dieu qu'on aime en lui obéissant. Jamais. Alors il faudrait peut-être saisir la dernière chance qui vous reste de le faire avant qu'il ne soit trop tard. Amen. Tout ce que je vous ai dit là est biblique. La Bible dit « je n'ai jamais fait ». Je n'ai jamais fait. Peut-être que j'utilisais beaucoup trop aussi mes bons sentiments pendant des années. Mais la Bible dit, sortez le méchant du milieu de vous. Ôtez-le, sortez-le. Eh oui, c'est comme ça. Mes amis, plus nous approchons du retour du Seigneur, plus le Seigneur veut une épouse, une église saine et sainte. Et pas une église, non, pas une église comme celle que l'on voit, n'est-ce pas? Alors, Dieu sait quelles sont ces brebis saines, partout dans le corps, quelle que soit la dénomination. Et en fait, si vous voulez comprendre, le Seigneur est encore en train de nous pousser, de nous dire, mais tu ne te rends pas compte vers quoi tu vas. Tu vas rester sur la terre. Je ne te veux pas en tant qu'épouse. Je n'ai pas besoin de toi. Ce sera votre choix. Louons le Seigneur. Amen. Béni soit le Seigneur, car son amour est grand. Béni soit le Seigneur, car il est puissant. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur.
nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Alléluia, alléluia. Bénis les chemins. Alléluia, alléluia. Bénis les toits. Quand les chemins te alléluia. Alléluia, alléluia. Quand les chemins te alléluia. Monsieur me dit une parole toute simple. Si tu chantes ce chant, alors qu'au fond de ton cœur, il n'y a qu'orgueil, rébellion et seul amour pour toi et tes passions du moment, sous une forme ou sous une autre, sache, dit le Seigneur, que tu es hypocrite et que je ne suis ni aveugle ni sourd, car je sais ce qu'il y a exactement dans les jours que tu auras vécu jusqu'à aujourd'hui. Je sais exactement ce que tu es. Alors quand tu élèves ta voix vers moi et que tu me loues, prends garde, parce que je demanderai compte pour chaque parole prononcée, pas seulement les paroles mauvaises, mais aussi les paroles prononcées hypocritement. Alors tâche de me louer avec un cœur humilié devant moi, un cœur enfin décidé à m'obéir. Toi qui m'écoutes et qui sais être un rebelle, considère les années écoulées de ta vie où tu as mis bien des choses avant moi, d'une manière flagrante, où tu t'es réfugié derrière une apparence d'église et même de service dans des œuvres chrétiennes, alors que ton cœur n'était pas à moi, alors que tu étais juste religieux. Considère ces choses et vois combien tu continues encore aujourd'hui à vivre dans cet état d'esprit, parce que jamais, jamais, du jour où tu m'as accepté comme ton sauveur, le dis-tu en tout cas, tu n'as réellement soumis ta vie à celui qui est mort pour toi sur une croix. Alors si tu ne le fais pas aujourd'hui, et si tu ne le fais pas encore demain, alors que tu te dis, enfant de Dieu, depuis 30 ans, 40 ans, parfois plus, eh bien, c'est terrible pour toi. C'est vraiment terrible pour toi. Amen. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux, Christ est pour moi un sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux. Son nom béni n'a rien de comparable sur cette terre. Et là-haut dans les cieux. Amen. Amen. Quelqu'un a-t-il reçu une parole? C'est pas que dans les réunions de prière qu'on reçoit des paroles pendant qu'on louait le Seigneur. Alors vous pouvez la lire si vous voulez bien. Nous partageons les choses reçues dans les moments de culte aussi. Alors soyez pas passifs. Quand on est au culte, du coup on reçoit plus rien. C'est bizarre. Bien. Ok. Alors essayez un peu de vivre dans l'esprit de prière, même quand vous êtes au culte. Mais voilà le problème, le culte, pour la plupart des chrétiens aujourd'hui, c'est un moment de repos, de passivité. On écoute. Moi, j'ai connu une époque où on venait au culte en priant tout du long, dans un esprit de prière.
parce que l'on voulait que ce qui était prêché, qui venait du Seigneur, du cœur de Dieu, rentre dans nos cœurs profondément. Et on voulait aussi que ça rentre dans le cœur de ceux qui étaient autour de nous. Alors on priait pendant la prédication. Et on recevait des confirmations. J'ai connu l'époque où avant d'aller au culte, je recevais des paroles de Dieu que je relâchais avant le culte. Et le pasteur me regardait stupéfait en me disant « Mais tu viens de lire tout mon message ». On ne voit plus jamais ces choses aujourd'hui, on ne les voit nulle part. L'Esprit de Dieu n'est quasiment plus présent dans la vie des chrétiens. La chair y est d'abondance. La rébellion, le grand n'importe quoi est d'abondance. Mais l'amour du Seigneur, qui va permettre à certains d'être enlevés auprès du Seigneur, quand l'enlèvement va venir, et il va venir, il a disparu dans le cœur du plus grand nombre, mes amis. Et je bénis le Seigneur parce que je vois des jeunes convertis parmi nous qui marchent avec ce désir d'obéir à Dieu, cet amour pour Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas des sentiments et des paroles, c'est ça part d'une obéissance. Je veux obéir à Dieu de tout mon cœur. Je veux obéir, j'ai encore parlé de ça la semaine dernière, je veux obéir, j'aime obéir à Dieu. Dieu, s'il te plaît, je veux t'obéir, je veux faire ta volonté et pas mes calembredaines. Et pas tout ce qui me plaît. Mon épouse a reçu un passage. En fait, je n'avais pas la référence et le Seigneur me l'a rendu. Voilà, alors vas-y, lis ce que ça t'a dit. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements. Est un menteur et la vérité n'est point en lui. Est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mes amis, nombre de chrétiens rentrent dans cette catégorie-là. Aujourd'hui, ils sont des menteurs. Ils sont des menteurs. Combien ai-je vu de personnes qui n'obéissent pas à Dieu de manière flagrante dans toutes sortes de comportements, à qui on rappelait les choses. Il disait oui, et puis il recommençait, parce que c'est flagrant, vous savez, chez certains. Alors, relisons le passage, donne la référence, s'il te plaît, mon cher. Donc, c'est 1 Jean, chapitre 1. 1 Jean, l'apôtre de l'amour. Chapitre 2, pardon. Jean, 1 Jean, chapitre 2. Jean, l'apôtre de l'amour. Alors, quand on dit Jean, l'apôtre de l'amour, on dit « Ah, l'amour ». C'était le disciple préféré de Yeshua. Pourquoi vous croyez? Parce qu'il était beau? Parce qu'il était spirituel? Non. Parce qu'il était le plus décidé à obéir à Dieu. C'était ça, Jean. Et si Jean a reçu les révélations aussi extraordinaires que celles qu'il a reçues, c'est parce qu'il était le plus proche du Seigneur. Mais de quelle façon croyez-vous? C'était le chouchou du maître? Non. C'est celui qui avait le plus à cœur d'obéir. Il avait compris qu'aimer Dieu, c'est lui obéir, mes amis. Alors, on relit ce verset une fois encore. Il y en a d'autres après. Et il y en a d'autres après. Donc, tu vas les lire à très haute voix, s'il te plaît. Je vais les lire avec toi. 1 Jean, et puis relis. Chapitre 2, du verset 3 au verset 6. Alors, je vais le lire. 1 Jean 2. 3 à 6. Si nous gardons ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons. Évidemment, les commandements qui sont aussi, fatalement, qui sont en accord avec les commandements de Dieu, qui sont véhiculés par l'Église. Nous savons par cela que nous l'avons connu, si nous gardons ces commandements. Si je ne garde pas ces commandements, je ne peux même pas dire que je sais que j'ai connu Jésus, Dieu. J'ai rien connu du tout. J'ai connu une histoire, un machin, un bazar, une émotion, un truc, dans lequel on m'a dit « t'es sauvé » et « t'étais pas sauvé ». Tu n'as pas, peut-être sauvé, mais tu ne connais même pas Dieu, tu ne connais pas Jésus. Celui qui dit « je l'ai connu ». Mes amis, je l'ai connu. Moi, je peux dire « j'ai connu Jésus à ma conversion, je l'ai connu ». Il est venu dans ma chambre. Et ça a bouleversé ma vie. Je l'ai connu. Mais celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements, qui ne garde pas, je ne dis pas qu'on doit être parfait le jour au lendemain, mais on doit progressivement garder tous les commandements de Dieu. Celui qui dit cela, qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Un menteur.
et la vérité n'est point en lui. Mes amis, il est temps de savoir si la vérité est en moi, si j'ai vraiment connu, et si je dis que j'ai connu Jésus. Mais, verset 5, « Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » C'est jusque-là que tu voulais lire, je pense. Oui. C'est pas difficile. Alors, où en êtes-vous? Le Seigneur vous pose la question ce matin. Vous pouvez faire la réponse vous-même. Vous savez exactement où vous en êtes, certains. Nous allons dans la parole de Dieu tout de suite. Et voilà, le thème de ce message, c'est « Qui sera enlevé, quel que soit le moment de l'enlèvement ?» Je voudrais tout de suite dire une chose. Je ne veux pas discuter ici du moment de l'enlèvement avant la tribulation, au milieu de la tribulation, à la fin de la tribulation. Cela ne m'a jamais, jamais, jamais même importé. J'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus parce qu'en fait, au fond, nul ne connaît l'heure. C'est dit dans l'Écriture aussi. Alors, on peut avoir son opinion. Mais l'essentiel pour moi, et je l'ai déjà dit 100 000 fois, et je parle du fond de mon cœur, et je pense que c'est ce que Dieu nous demande, ce à quoi Dieu nous demande d'attacher de l'importance, c'est est-ce que moi je vais être enlevé ou pas enlevé? Est-ce que moi je fais partie de ceux qui seront enlevés? Alors ne dites pas automatiquement oui, moi je vais être enlevé. Questionnez-vous quand même. Je vais vous lire un avertissement qui est très clair d'un article d'Henri Viomura. Alors, je ne veux pas discuter du fait qu'Henri Viomura pense que l'enlèvement de l'Église est avant la tribulation, alors que d'autres le mettent au milieu de la tribulation et d'autres à la fin. Je ne donnerai même pas mon avis, parce que j'ai un avis aussi, mais je ne veux même pas le donner, parce que je suis fatigué de ces discussions, alors que jamais... Jamais, au grand jamais, on entend, mais l'essentiel, c'est être prêt pour cet enlèvement, qu'il ait lieu demain, qu'il ait lieu après-demain, qu'il ait, qu'il ait lieu dans un an, qu'il ait lieu dans ces temps, qu'importe. L'essentiel, c'est savoir, est-ce que moi, je suis prêt, est-ce que je suis digne à être enlevé? Beaucoup de chrétiens s'imaginent que parce qu'ils sont là où ils sont, ils vont être enlevés. Je vous dis que beaucoup ne vont pas être enlevés. Ils ne sont pas dignes d'être enlevés. Des gens qui ne... correspondent pas aux critères de ce que mon épouse vient de recevoir dans 1 Jean, ne seront pas enlevés, mes amis. C'est clair. Alors, lisons la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, à partir de versets 14 à 17. Et je ferai une petite... Je le ferai, mais s'il vous plaît, c'est pas pour créer un débat sur le moment d'enlèvement. Mais je ferai une petite remarque en passant. Maintenant, vous en ferez ce que vous voudrez, d'accord? Alors, on lit ensemble 1 Thessaloniciens, c'est une écriture formidable, mes amis. C'est une écriture extraordinaire. Parce qu'elle annonce le départ de certains qui sont morts depuis des siècles et qui vont ressusciter. Certains, pas tous. Suivi de l'enlèvement dans les nuées, dit l'Écriture, de ceux qui sont dignes d'être enlevés aujourd'hui auprès du Seigneur. Et qui vont constituer, je l'ai déjà dit, j'ai prêché là-dessus, une espèce d'élite, oui, il ne faut pas avoir peur des mots, auprès du Seigneur pour revenir sur la terre et la diriger, Yeshua étant le roi qui règnera sur terre à ce moment-là. Et Yeshua confiant, l'Écriture est pleine de ça aussi. À l'un, n'est-ce pas, une ville, à d'autres 5 villes, etc. C'est une image de l'autorité que Dieu va donner. C'est celui qui aime Dieu, il a déjà de l'autorité. Si vous voulez avoir de l'autorité, le meilleur moyen, c'est d'aimer Dieu. Ce n'est pas difficile. Aimer son prochain vous donne de l'autorité. Lorsque tu aimes ta femme comme Christ a aimé l'Église, tu n'as pas besoin de chercher à l'autorité. Ta femme sent que tu as de l'autorité. Ah oui, parce que tu fais quoi? Parce que tu obéis à Dieu. Tu obéis à Dieu parce que tu aimes Dieu.
Combien d'hommes sont des lâches aujourd'hui? J'ai prêché ce séminaire, Echad, dans... il a été lu ce livre par je ne sais pas combien de personnes. Et je sais, dans mon fort intérieur, que beaucoup d'hommes ont lu ça et ont su, mais ça c'est vrai. Mais bon, voilà quoi. Hein. On passe à autre chose. On verra ça demain. Je connais beaucoup de femmes qui ont été interpellées par ce séminaire. J'en ai connu qui publiquement ont confessé leur esprit de Jézabel et se sont repentis devant tout le monde, devant leurs propres époux. Mais ça, c'est pas fréquent. Et j'en ai connu beaucoup d'autres qui ont persévéré dans leur rébellion, d'autant plus qu'elles avaient entendu le message. J'ai prêché un jour ce message sur le couple que vous trouvez dans mon livre Echad, dans un groupe qui m'avait invité et où j'ai découvert que le leader, le responsable, le pasteur presque, pas nommé, mais réel, c'était la femme. L'homme étant presque en dehors de la salle, appuyé sur le chambranle de la porte et regardant timidement à l'intérieur de l'église ce qui se passait. C'était pas une église, c'était dans une maison. Et il y avait là une cinquantaine de croyants réunis. Vous croyez qu'à la fin de ce séminaire, cette femme est tombée à genoux en demandant pardon d'avoir été celle qui prenait le pouvoir avec un esprit de Jézabel abominable? Et vous croyez que son mari s'est repenti d'être un lâche? Mais pas du tout! Mais pas du tout! La femme a fait un appel, oui, il faut prier, il faut vous repentir, mais non, mais mes amis, vous n'imaginez pas à quel point sont les choses parfois. La rébellion est tellement puissante dans le cœur de certaines personnes, hommes ou femmes, que même quand on connaît la vérité, elle ne nous affranchit pas, elle ne nous libère pas parce que l'on n'en veut pas. Vous ne voulez pas de Dieu. Vous dites que vous voulez de Dieu, vous n'en voulez pas. Vous ne serez pas enlevé, vous n'êtes pas digne d'être enlevé. Lisons ce passage. Excusez-moi, je suis vraiment bouillant avec ce message ce matin, parce que c'est extrêmement grave. Vous ne pouvez pas tromper Dieu comme ça encore longtemps, mes amis. Et si vous venez à mourir et que vous êtes dans cet état, mais je vous plains. Je vous plains de tout mon cœur. Lisons ensemble 1 Thessaloniciens 4, versets 14 à 17. Le magnifique passage que nous devrions lire tous en disant oh, mais quelle merveille! Et je suis obligé de dire mais ça ne va pas être une merveille pour toute une série de gens. Ça ne va jamais être une merveille. Car si nous croyons que Yeshua est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. J'ouvre une parenthèse rapide et je la referme. Et vous me laissez tranquille avec l'enlèvement se fait là ou là ou là. Ici, il est question de l'avènement du Seigneur. L'enlèvement devra donc coïncider, à mon avis, avec l'avènement du Seigneur. C'est quoi l'avènement du Seigneur? C'est la venue du Seigneur. Maintenant, je ferme la parenthèse. Croyez ce que vous voulez. J'ai le droit de vous dire ce que je crois, mais je ne veux pas en débattre avec vous. Vous ne croyez pas que ça se situe là. C'est votre choix. Je vous laisse la liberté. Mais je ne veux pas vous imposer, je ne prêche jamais là-dessus. L'essentiel, je répète, est donc pour moi être prêt pour être enlevé. C'est ça l'essentiel. Nous les vivants, restez sur la terre. Pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, le Seigneur descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.
Donc ici, c'est très clair, il est question de l'avènement du Seigneur. Pour moi, c'est le retour du Seigneur. Ce n'est pas avant ni au mieux, mais c'est après. Mais, ok, j'entends déjà des hurlements de partout. Je ne suis donc pas d'accord, j'ai le droit avec même le cher frère Henri Viomura qui met l'enlèvement au début de la tribulation, ce que je n'accepte pas. Je ne veux pas continuer à dire, parler de cela maintenant. Je vous donne mon avis. L'essentiel, c'est de nous préparer, d'être prêts pour cet enlèvement, mes amis. Amen. Ok. Alors, je vais vous lire d'emblée ce que j'ai lu dans un article que j'ai mis sur le site, que je vous ai envoyé à tous, n'est-ce pas, d'un excellent article d'Henri Viomura. Avez-vous le cœur de l'épouse qui va être enlevé? Alors c'est « Avez-vous le cœur de l'épouse qui va être enlevé ?» Je répète, « Avez-vous le cœur ?» Avons-nous un cœur pour le Seigneur? Est-ce que c'est vrai? Vous savez, à considérer cette personne, je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas. J'insiste, Dieu ne nous demande pas d'être parfait. Non. Mais Dieu veut savoir si notre cœur est pour lui d'abord. Après, il nous perfectionne. Mais si mon cœur n'a jamais été pour le Seigneur, le Seigneur, dit Henri Viomura, et je suis d'accord avec lui, ne va pas enlever tous ceux qui se disent chrétiens. Il ne va pas non plus enlever automatiquement tous ceux qui sont nés de nouveau en Christ. Nous pouvons accepter Jésus, commencer à naître de nouveau et puis décider de rester un rebelle et faire tout ce qui nous plaît. Eh bien, nous ne serons pas enlevés. Ne croyez jamais ce mensonge. C'est un mensonge et je suis d'accord avec lui. C'est un mensonge. Si je me marie et je promets à ma femme d'être fidèle dans les bons comme dans les mauvais jours, comme on le dit toujours dans les mariages, et jusqu'au bout, et que je suis fidèle à ma femme pendant 3 ans, 5 ans, et puis qu'un jour j'ai dit non, je ne suis plus fidèle, est-ce que je suis encore digne de mon épouse? Et si ma femme qui a décidé d'être fidèle à son époux, n'est-ce pas, au bout de 4 ans, décide de ne plus être fidèle, est-ce qu'elle est toujours l'épouse de cet homme? Non, elle ne l'est plus. C'est la même chose pour vous et pour nous tous dans notre relation avec Dieu. Dieu sait si je suis imparfait, mais il y a une chose qui est certaine. Dieu est la chose essentielle pour moi depuis le jour où je l'ai connu. Et pourtant, il y a eu des combats pour briser des choses qui devaient être brisées dans ma vie. Je l'ai assez témoigné. Je continue la lecture. Mais Dieu va enlever ceux qui sont prêts à partir. Vous savez, je voulais témoigner. J'ai eu l'occasion de passer par un cancer l'année dernière. C'est l'année dernière, c'est ça. Eh bien, la première chose que j'ai ressentie quand on m'a annoncé ça, c'est une paix tellement profonde et j'ai dit, je suis prêt à partir. Seigneur, si tu le veux, j'avais même envie, je vous avoue honnêtement, j'avais envie de partir. J'ai dit, ça y est, je vais mourir, je pars. Et ma femme aurait dit ce qu'elle voulait pour me retenir, je serais quand même parti. Est-ce que je suis prêt à partir? Parce qu'ils ont un cœur qui aura permis au Seigneur de les préparer à sa rencontre. Vous entendez ce que dit Viomura? Il a raison, mes amis. Seront enlevés ceux qui ont un cœur qui aura permis au Seigneur de les préparer à sa rencontre. Dis-moi, pendant tout le temps où tu cours à tes folies, là, depuis des années, comment le Seigneur a-t-il pu te préparer à sa rencontre? Tu vas rencontrer qui, là? Si tu dois être enlevé dans l'état où tu es, tu ne seras pas enlevé. Ton cœur ne t'a pas préparé, ne t'aura pas préparé à la rencontre du Seigneur. Et Viomura termine en disant, « Malgré vos imperfections actuelles, et nous en aurons jusqu'au bout, est-ce que vous avez ce cœur de l'épouse de Christ? » Dire ce cœur
que Dieu peut préparer, peut travailler. Mes amis, certaines personnes, vous faites semblant. Vous êtes des religieux parfaits. Vous êtes des comédiens finis. Vous êtes des menteurs. Mais votre cœur n'appartient pas au Seigneur. Et le Seigneur n'a rien pu faire dans vos cœurs pour vous préparer. La preuve, c'est que vous en donnez vous-même la preuve régulièrement par vos comportements. Je vais dans le message. Nous vivons un privilège d'être repris en ces jours où nous vivons dans une espèce d'antichambre, où nous sommes tous cloisonnés, mis à part. Mis à part par Dieu, avec l'assentiment de Dieu, et pour Dieu, et pour Dieu. Je vous l'ai dit à tous au début de ce confinement, vous allez tous apprendre à marcher à petits pas, c'est-à-dire avec ces moments d'intimité où Dieu peut parler à votre cœur pour vous préparer à le rencontrer bientôt. Je voulais dire, répéter mon souhait que vous deveniez autonome. Ça veut dire quoi, autonome? Que vous deveniez intime avec Dieu afin qu'il puisse préparer votre cœur à le rencontrer bientôt. C'est quelque chose de pas de ténu, mais de très intime, de très personnel. Et quand je vois la vie de certains, je me dis, mais non, ils ne sont pas prêts du tout à ça. Ils ne vivent pas ça. Ils ont rempli leur sac dans l'Église de toutes sortes d'activités. Et ils croient qu'ils sont justes aux yeux de Dieu parce qu'ils font ceci, parce qu'ils font cela. Et très souvent, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Et quand Dieu leur demande de faire, là, ils ne font pas. Ou quand ils savent qu'ils ne doivent pas faire telle chose, ils la font quand même, parce que c'est leur plaisir. Et ils occasionnent des dégâts terribles, quelquefois dans l'Église. N'est-ce pas, cette mise à part, c'est un privilège immense que Dieu nous réserve aujourd'hui. Mais il faut capter ce que Dieu est en train de vouloir faire dans nos vies en ce moment, mes amis. Certains ont reçu la parole pour notre frère Samuel qui, d'après ce que je peux comprendre, vit un véritable choc parce qu'on l'a mis à part. Et d'après ce qu'il m'a dit, a vu, enfin, parce qu'il a eu un choc, la profondeur de ses besoins, de son péché, qu'il n'est qu'à base de rébellion, d'indépendance, c'est tout, il n'y a rien d'autre, de désobéissance, d'anarchie. Plaise à Dieu qu'il continue à le voir, et qu'enfin, cette parole qui lui a été donnée, je t'emmène au désert pour te parler, pour parler à ton cœur. À ton cœur, c'est à votre cœur que Dieu veut parler, certains. Mais votre cœur est occupé à tant de choses. Vous êtes tellement orgueilleux, certains aussi. Ne cherchez pas ailleurs les raisons pour lesquelles vous êtes si triste quand on vous regarde, certains de vos visages. Vous avez l'air tellement triste, tellement vieux, tellement chiffonné, tellement malheureux. C'est l'orgueil en vous qui vous rend comme ça. Vous ne vous en rendez même pas compte. Vous ne vous en rendez même pas. Mais regardez-vous. Vous savez, moi je ne me regarde pas dans le miroir pour voir comment je suis. Mais je me souviens, quand je suis né de nouveau, j'avais la photo de moi au théâtre à Bruxelles, où j'avais une figure d'homme de 45, 50 ans, alors que j'en avais 33. Et du jour au lendemain, quand j'ai accepté Christ, c'était la lumière, la joie, la beauté. Je suis arrivé au théâtre et qu'est-ce que une des comédiennes qui est venue à ma rencontre ce jour-là pour me dire bonjour, m'a dit, mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Tu es beau, elle m'a dit. Eh oui. Eh bien, j'ai dit, oui, j'ai rencontré Jésus. Et elle a couru auprès du directeur dire, Michel, il est devenu fou. Il est devenu fou. Il est devenu beau, mais il est devenu fou. Voilà, Jésus m'a rendu beau, mais je suis un fou. Oui, où sont les fous? Où sont les insensés? Et il y a des chrétiens comme ça, vous êtes insensés.
Vous ne le savez même pas. Vous êtes dans un état, mes amis, épouvantable. Certains semblent ne même pas comprendre l'enjeu actuel et particulièrement les quelques personnes auxquelles nous avons demandé d'être mises à part, certaines en tout cas, pas toutes, car depuis trop longtemps rétives à accepter d'être reprises. Vous êtes, mes amis, si vous êtes mis à part, vous faites partie déjà de la catégorie des vierges folles. Et si vous n'êtes pas capable d'être soumis à ce qui a été lu dans la lecture de 1 Jean tantôt, vous êtes des vierges folles. Vous ne serez pas enlevés. Vous n'irez pas à la rencontre du Seigneur. Je ne veux pas parler ici des souffrances que vous vivrez sur la terre. Je parlerai de votre déshonneur. Parce que lorsque Jésus, ne vous enlevant pas, vous signifiera par là, tu n'es pas digne de moi. Je vous assure que ça sera la gifle la plus totale. La plus totale. Ce ne sera plus un pasteur qui vous mettra en garde. C'est un qui vous dira. Vous savez, en écrivant mon livre, vous avez dit prophète en ce moment, n'est-ce pas? Mais venu évidemment ce fameux passage où certains diront en Matthieu, j'ai oublié la référence, plusieurs viendront devant moi et diront, mais Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, etc., etc. On connaît la suite. Et le Seigneur leur répondra, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, parce que vous n'avez pas connu. C'est ça que ça veut dire. Vous qui commettez l'iniquité, vous qui professez être chrétien, alors que je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Pire que cela, durant ces dernières années, j'ai entendu des gens qu'il faut mettre au banc de l'Église aujourd'hui. Il y en a trois. Il y en a eu trois. Il y en a un qui semble être sorti, mais encore très, très rétif à obéir en réalité, malgré tout. Et puis il y a deux personnes qui sont au banc de l'Église en ce moment, qui sont mises à part. Eh bien, ces personnes, durant des années parfois, ont toujours dit d'accord à tout ce qu'on leur disait, en parole, mais pas vraiment du tout, du fond du cœur. Et la lumière n'y entre pas dans ces cas, et les personnes en sont les seules responsables. Je vais vous lire maintenant un extrait encore de la lettre de Viomura. Il doit y avoir à tout moment dans notre cœur de membres de la future épouse de Christ, de la future épouse de Christ, celle qui sera enlevée. Beaucoup s'imaginent, ah oui, je suis chrétien, je suis membre, je suis dans l'épouse de Christ. Non, tu vas être rejeté, l'Écriture nous le dit, certains ne seraient pas. Malgré tout, toutes nos imperfections présentes, ce désir de le laisser, lui, donc Christ, nous transformer, nous perfectionner, nous sanctifier et nous faire atteindre la perfection absolue. Car le Seigneur Jésus mérite une épouse parfaite. Je suis convaincu qu'au moment de l'enlèvement, aucun de ceux qui seront enlevés ne seront absolument parfaits. Mais en étant enlevés, Dieu mettra la dernière touche pour les rendre parfaits. Parce qu'à la base, leur cœur l'aura désiré. Alors je vous pose la question, je te jette les cartes en plein milieu de la table, mon frère, ma soeur, ce matin. Qu'est-ce que tu désires au fond? Qu'est-ce que tu as cherché vraiment de tout ton cœur? Certains, vous avez cherché le monde, c'est folie. Vous avez vécu dans les folies du monde. Même vous avez pratiqué, vous avez travaillé dans des œuvres chrétiennes, et intérieurement, vous avez vécu comme des insensés, et vous le savez. Mais vous êtes barricadés derrière une illusion, une apparence. Vous êtes des menteurs. Vous êtes menteurs. Ouvrez les yeux. Nous devons bien comprendre que ce désir ardent, c'est Viomura qui parle, et pas moi, mais je suis d'accord avec lui, ardent du cœur de Dieu de préparer pour son Fils une épouse digne de lui, n'est que l'expression de son amour infini pour nous. Beaucoup ne comprennent même pas ce que ça veut dire. C'est la révélation de l'amour de Dieu pour nous qui nous permet de l'aimer en retour. C'est la révélation de l'amour de Dieu. Donc, l'amour de Dieu n'a même pas pu se révéler dans beaucoup de cœurs jusqu'à aujourd'hui.
puisqu'en retour, Dieu n'a pas obtenu de l'amour pour lui. Plusieurs, vous en êtes là? Quel Jésus avez-vous accepté? Quelle grimace avez-vous pratiqué pour vous dire chrétien et sauvé? Après notre conversion à Christ, nous restons tous encore bien imparfaits et charnels. Nous ne comprenons pas clairement, loin de là, ce qui s'est passé dans notre esprit quand nous sommes nés de nouveau. C'est évident. Notre intelligence a grand besoin d'être renouvelée et débarrassée de tous les mensonges qui l'encombrent encore. Mais le plus important pour notre Dieu est que nous puissions toujours garder dans notre cœur cet amour de la vérité qui nous a conduit à la conversion. C'est ce même amour de la vérité qui nous conduira à la perfection. Amen. Je m'arrête là. C'est clair. C'est clair. Est-ce que Dieu peut faire ça, a fait ce travail dans notre cœur? Alors dites-moi pourquoi vous répétez certains depuis toujours les mêmes fautes. Parce que l'amour de Dieu n'a pas pu rentrer encore dans vos cœurs. Et vous n'avez pas encore appris à aimer Dieu pour lui-même. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous êtes une vierge folle. Vous croyez être une vierge pour le Seigneur qui sera enlevé, mais vous ne l'êtes pas. Alors lisons ensemble Proverbe 3, versets 11 à 26. J'espère que ce que je martèle ce matin va quand même finir par semer peut-être l'angoisse nécessaire dans certains cas, afin qu'il naisse enfin un début de vérité. Donc, Proverbe chapitre 3, verset 11. « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime. » Je continue. Comme un père l'enfant qu'il chérit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, la sagesse donc. Et c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence, qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts, etc., etc. Mon fils, que ses enseignements, verset 21, ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles sont la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne trébuchera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Vous voyez le nombre de bénédictions qui sont données après qu'il soit dit, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime. Quand le prophète Nathan vient trouver le roi David et qu'il lui dit, tu es un meurtrier, tu es un criminel, sous-entendu, Dieu va te châtier, et Dieu l'a châtié. David n'a pas méprisé la réprimande, il est tombé à genoux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il aimait Dieu. Certains parmi vous, on vous a repris 100 fois, 1000 fois, jamais, jamais, vous n'avez fait autre chose que mépriser la correction de Dieu. Parce que le fond de vos cœurs sont des cœurs de rebelles. Et toutes les bénédictions qui s'en suivent, elles n'existent pas dans votre vie. Il n'y a ni sagesse, ni repos, ni paix, ni rien de tout cela. Quand vous lisez, par exemple, au verset « Garde la sagesse et la réflexion », vous voyez que David, après que Nathan, le prophète, l'ait interpellé, n'a pas réfléchi. Quand je vois certains d'entre vous, qu'il faut même mettre à part, je pense à une personne en particulier, et puis qui s'en fiche quelque part, il dit « Bon, on va attendre que ça passe », qui ne réfléchit même pas au fait que Dieu la reprend.
et qui a vécu finalement toute sa vie chrétienne, tout ce que j'en ai vu, comme ça. On peut me reprendre tant qu'on veut. Oui, pour la galerie, je vais demander pardon, mais je m'en fiche. Je ne veux pas réfléchir. Parce que je ne veux pas être repris. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse. En lieu et place de cette sagesse qui fait que l'on écoute Dieu et que l'on prend attention à ce qu'il nous dit, on agit dans la folie, mes amis. On agit avec folie. On préfère faire n'importe quoi parce qu'on est tellement habitué à avoir fait n'importe quoi. En se disant, de toute façon, Dieu m'aime, il va me sauver, il va ranger les bidons, et puis je vais rencontrer un ministère qui en vaut la peine, et je vais m'accrocher à lui, et puis ça va nourrir, n'est-ce pas, ma vie médiocre. Plus ma vie est vide, plus je la remplis avec ce que les autres y apportent, mais je ne change rien dans ma vie, n'est-ce pas? Ça vous sert de quoi? Ça vous sert à quoi? À rien. Et pourtant, regardez ce qui est écrit. La sagesse et la réflexion, elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. L'ornement de ton cou. Le cou, c'est cette partie qui porte la tête, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous avons autour du cou? Nous avons la nuque raide, comme le dit l'Écriture, ou nous avons l'ornement de la sagesse, qui rend notre cou flexible et bon devant le Seigneur, capable d'obéir à Dieu, de nous repentir une fois pour toutes. Vous croyez que David, n'est-ce pas, lorsqu'il a fini de coucher avec Bathsheba et d'avoir fait tuer son mari, n'est-ce pas, on pourrait dire qu'il a attrapé des démons d'impureté, n'est-ce pas? Ah ben oui. Alors, vous croyez qu'il est retourné après vers une autre femme encore pour faire ce qu'il a fait? Non, mes amis, il a compris la leçon. C'est fini, terminé. Il s'est calmé. Elle dit, oh là, voilà ce à quoi ma nature rebelle me pousse. Je l'ai fait une fois, mais c'est tout, c'est fini. Alors je répète la question, pourquoi est-ce que vous recommencez toujours les mêmes choses? Pourquoi est-ce qu'on ne peut jamais se dire, telle personne, on va pouvoir lui faire confiance? On va pouvoir travailler la personne. Si je ne la vois pas, je sais qu'elle fera ce que Dieu lui demande de faire. Pourquoi? Posez-vous la question. Proverbe 12, versets 1 à 3, lisons ensemble encore. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. Stupide. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Mes amis, celui qui n'aime pas la réprimande, la correction, n'aime pas la science, n'aime pas la connaissance de Dieu. Il ne l'aime pas et il ne l'a pas. Fut-il rempli du Saint-Esprit? Fut-il une personne qui reçoit des révélations potentielles? Récemment, je me suis fait la question, tiens, telle personne à qui on a demandé de se mettre à part après des années de difficultés reçoit pour une autre personne des versets bibliques à la mitraillette et des choses justes, mais pour elle-même ne reçoit rien du tout. Ça veut dire que ce qui est bon pour les autres, se repentir, c'est bon, mais pour soi, ah ben non. Est-ce que vous réalisez jusqu'où vont les choses chez certaines personnes? Celui qui aime la correction aime la science. Certains, vous n'aimez pas la correction, vous n'en voulez pas. Vous êtes foncièrement construit sur la rébellion de l'indépendance. Celui qui hait la réprimande, eh bien, il est stupide, il est bête. Eh bien, je peux vous dire que c'est vrai. Quand je vois les fruits de ce genre de personnes, c'est rien, mes amis. C'est rien. Il n'y a rien. C'est des vies et des témoignages stupides, qui ne riment à rien, qui sont ridicules, grotesques même par moments. L'Éternel condamne celui qui est plein de malice. En plus, il y a de la malice. Il y a toujours chez le rebelle de la malice, de la ruse,
Je veux faire croire que, mais je ne le vis pas au fond de moi-même. C'est de la malice, c'est de l'hypocrisie. Le point commun à toutes ces personnes dont nous venons de faire un peu le... c'est la rébellion, certes bien enfouie, bien camouflée, déguisée même en toutes sortes de bonnes actions, et même de soutien financier, figurez-vous, oui, oui, de générosité, de service fidèle, là où on a envie de faire quelque chose, mais totalement infidèle quand c'est Dieu qui demande quelque chose. C'est curieux ça quand même. Ce sont des rebelles déguisés en agneaux, mes amis. L'agneau qu'on sacrifie, il se laisse égorger sans pousser un cri. C'est l'image de Christ et c'est l'image de nos vies qui, d'une certaine façon, doivent être sacrifiées pour Christ, de bon cœur. Vous me suivez? Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous qui êtes ici? Vous croyez que c'est juste? Oui. Eh bien, mes amis, beaucoup d'entre nous, nous sommes des faux agneaux. Nous sommes des rebelles déguisés en agneaux. Nous sommes du côté de qui? Nous sommes du côté du diable, mes amis, et non pas du côté du Seigneur. Vous connaissez ce genre de chrétiens? Moi, j'en connais. Le temps de confinement que nous vivons aujourd'hui sert aussi pour débusquer ce qui reste de cela dans nos cœurs, mes amis. C'est à nos cœurs que le Seigneur s'adresse ce matin et s'adresse depuis toujours, même avant même que vous soyez enfant de Dieu. Le Seigneur s'adresse à mon cœur. Mais ai-je entendu? Ai-je répondu? De grâce, ils sont, pour une fois, je l'ai dit, nous avons lu 1 Thessaloniciens 4, versets 14 à 17, qui parle de l'enlèvement. De grâce, laissons pour une fois de côté la querelle, je l'ai dit, sur le moment de l'enlèvement, parce que, pour ma part, je n'ai jamais voulu y entrer. J'ai mon opinion, mais je ne veux pas me quereller là-dessus. L'essentiel n'est pas le moment, mais si je suis digne d'être enlevé, s'il vous plaît. C'est ça la question. Je l'ai déjà dit et je le redis. La condition, c'est être parfait, non. Mais de ne jouer en aucune manière à l'hypocrisie, de se croire parfait en servant selon des formes orgueilleuses extérieures, n'est-ce pas? Mais, Seigneur, de manière hypocrite, vous m'avez compris. À quoi on reconnaît un cœur qui sert Dieu? C'est un cœur qui est prêt tous les jours à se laisser reprendre par le Seigneur, à se laisser perfectionner. Et quand le Seigneur a fini avec un point, il peut passer à un autre. Mais dites-moi, je le redis encore, pourquoi chez certains, c'est toujours sur le même point que ça revient? Toujours les mêmes problèmes. Parce que tout au fond de vos cœurs ne sont pas soumis à Dieu. Ils n'appartiennent même pas à Dieu. Tous les jours, le Seigneur va nous perfectionner si nos cœurs appartiennent à Dieu. C'est un état d'esprit qui demande qu'être humblement en position d'écoute de Dieu. Tous les jours, jour et nuit. Alors, comme j'ai déjà dit, comment explique-t-on que les chrétiens qui se font reprendre constamment par l'Église sur les mêmes sujets pendant des années et des années, comment est-ce possible? Eh bien, parce qu'ils... Alors, une des explications, c'est qu'ils n'ont jamais cherché à écouter Dieu. Et c'est alors les hommes dans l'Église qui les reprennent là où la désobéissance est devenue une véritable caricature. Mais mes amis, ce n'est pas à notre honneur si nous n'écoutons pas Dieu. Vous savez, moi, je n'ai pas besoin qu'on me reprenne pour savoir quand je fais le mal. Ou si Dieu me perfectionne jour après jour. Dieu me perfectionne encore. Mais je l'entends, Dieu me montre. Jour et nuit, à n'importe quel moment. Dieu me perfectionne. Dieu me perfectionne encore. Et jusqu'à aujourd'hui, au début de ma conversion, si. Si, quand, malgré que Dieu me disait ce que tu fais là et mal, je le faisais. Oui, eh bien oui. Mais le pasteur a prié pour moi et le Seigneur lui a dit, tu lui parles sévèrement maintenant. Et il l'a fait. C'est arrivé à 2 reprises. Mais c'était tout, mes amis. Ça a été fini. Après,
j'ai compris que je devais vraiment perfectionner ce point sur lequel je désobéissais au Seigneur. Parce que mon cœur était au Seigneur. Et parce que j'avais compris ce qu'était l'amour de Dieu et le prix qu'il avait payé pour moi. Amen. Eh bien, n'est-ce pas, plusieurs, vous n'avez jamais cherché à écouter Dieu. Et donc, ce sont des hommes de Dieu qui doivent vous reprendre. Et ce n'est pas votre honneur, mes amis. Parce que même lorsque les hommes de Dieu vous reprennent, vous n'écoutez pas non plus. Alors pourquoi ? C'est pourquoi il est écrit, hein, n'est-ce pas, dans les Proverbes, « Ne méprise pas la correction. » Parce qu'en plus, vous méprisez la correction. Autrement, il y a longtemps que vous auriez arrêté de faire ce que vous faites, certains, depuis tant d'années. J'ai pas besoin d'exemple, vous le savez, nous le savons tous. Et ceci va au-delà de ce qui se passe dans notre œuvre, ça se passe partout, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Et le confinement que nous vivons tous, il sert à nous montrer où nous en sommes, chacun. Mais certains pensent être corrigés car ils n'entendent même pas ce que Dieu veut leur dire en cause des cœurs rebelles qui ont souvent connu Christ dans le contexte, alors écoutez bien ce que je veux vous dire, d'œuvres à compromis ou d'œuvres mondaines. Vous savez qu'il existe des œuvres où il y a le compromis. Je connais des gens dans l'œuvre qui étaient jadis dans une église où le pasteur, entre guillemets, était remarié, alors que divorcé, avec une femme qui n'était même pas née de nouveau. Et cet homme donnait aussi des bons messages. Mais, si vous naissiez dans ce milieu à Christ, vous entriez dans un bain compromis, corrompu. Je connais une autre personne dans l'œuvre qui a découvert Christ dans un milieu éminemment corrompu, où se pratiquait la fameuse doctrine de la vie en abondance et une œuvre qui a très mal tourné, n'est-ce pas? Enfin voilà, je ne donnerai pas de détails, elle était bien connue à l'époque, cette œuvre, et elle s'est révélée, ayant bien commencé, devenir une véritable secte, mais vraiment avec des abus abominables. Et un des points communs de cette œuvre était la mondanité, l'amour du monde. Eh bien, je connais une personne qui a connu Christ dans ce milieu-là et qui est toujours comme ça aujourd'hui. Il n'a pas quitté cet état d'esprit, cet amour du monde. Il y a aujourd'hui une multitude d'églises où l'on prêche Christ, mais où on a l'amour du monde. Et on fait venir à Christ des gens dans des milieux absolument corrompus. Eh bien, mes amis, si ces gens qui rentrent dans l'Église, dans des milieux comme ceux-là, n'ont pas un amour profond du Seigneur et qui ne sortent pas d'eux-mêmes de ces milieux, eh bien, ils vont devenir comme ça. Et c'est le cas de beaucoup de croyants aujourd'hui. Nous avons dans l'œuvre, n'est-ce pas, comme dans tant d'églises, ce genre de personnes qui, après des décennies et des décennies, n'est-ce pas, portent toujours la marque du milieu où elles ont grandi en premier, sans chercher à échapper à ce qu'il y avait de corrompu dans ce milieu. Il y a là un problème. Vous savez, nous pouvons faire partie d'une dénomination et néanmoins ne pas tomber dans les travers de notre dénomination. Nous pouvons être dans une église à moitié corrompu, ou bien avec des doctrines qui sont peut-être pas exactes, etc. Et pourtant, avoir le désir d'être cachère devant Dieu. Si vous avez ce désir, Dieu saura vous conduire. Même si vous êtes dans un milieu bancal. Vous savez, je vais vous faire un aveu qui va choquer certains, mais qu'importe. Lorsque j'ai débuté dans mon ministère, le Seigneur m'a dit: jamais de dénomination, ni de fédération, ni rien de tel, parce qu'il y a toujours des choses là-dedans qui ne sont pas claires. Je ne veux pas dire pour ça que tous ceux qui sont dans des églises dénominationnelles ou fédératives doivent en sortir s'ils n'y sont pas appelés. Moi, Dieu me l'a demandé, j'ai obéi. J'ai obéi. Et je peux vous dire une chose. J'ai passé, avant ce moment-là, avant d'entrer dans le ministère, j'ai vécu dans deux églises sans m'être jamais rebellé, ni contre l'une ni contre l'autre.
Et dans la première église, j'ai été soigné par un pasteur, mais qui avait un problème parce que l'adhésion à sa dénomination était une chose plus importante presque que le message que Dieu lui confiait. Et il voulait faire de moi un pasteur, et Dieu m'a dit non. Non, parce que tu vas devoir adorer quelque chose, la dénomination, et je ne t'ai pas choisi pour ça. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Au fond de mon cœur, j'ai dit, Seigneur, je me soumets à toi. Et le Seigneur a organisé au bon moment toutes les circonstances qui m'ont obligé, puisque j'ai déménagé à 100 km de cette église et que j'avais trouvé du travail, puisque jusque-là j'étais au chômage, jeune chrétien. Et j'ai été obligé de rejoindre une autre église. Quand j'ai quitté cette première église, où pourtant j'avais été bien nourri, le Seigneur m'a dit, je vais vous choquer, hein. Il m'a dit secte. C'est terrible, hein? C'est quoi une secte? Nous pouvons tous être secte. À partir du moment où nous adorons autre chose que la parole de Dieu pour elle-même et le Seigneur pour lui-même, et que nous y ajoutons l'idolâtrie d'une chose créée par l'homme, nous donnons une secte. C'est ça la secte, c'est rien d'autre. Si ce que j'ai sur la tête est plus important que le Seigneur, c'est déjà la secte. C'est clair? Et seulement le Seigneur connaît nos cœurs. Est-ce que vous me suivez ou ne me suivez pas? Oui. Wow! Seigneur! Attention, vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit et être resté un rebelle dans le fond. Vous pouvez demeurer depuis des années au service du Seigneur. Si les convictions dans lesquelles vous avez baigné au départ de votre vie nouvelle avec Dieu et auxquelles vous avez adhéré du fond du cœur, parce qu'il est là le problème. Ne cherchez pas les excuses en disant ben oui, c'est pas de ma faute, je suis né dans tel milieu, et puis c'était plein de trucs faux, je m'en rends compte aujourd'hui. Mais toi, tu y as adhéré de cœur. Ça t'a convenu. Ça t'a pas dérangé. Si tu as été vraiment un enfant de Dieu, ça t'aurait dérangé à un moment donné, t'aurais dit quelque chose qui ne va pas. Vous savez, c'est difficile parfois pour certains chrétiens de se rendre compte, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans mon église. Il y a des enseignements que je ne peux pas accepter. Ce n'est pas facile. Alors on parle au pasteur, et puis si ça se passe bien, parce que le pasteur est humble, et écoute, et est capable de revoir son point de vue, ça va. Mais s'il n'est pas capable de revoir son point de vue, eh bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un problème. La personne se retrouve être dans l'église et seule dans l'église. Et généralement, ça finit par un départ. C'est pas évident. C'est pas facile. Il faut du courage. Pour être plus attaché à la parole qu'être attaché, n'est-ce pas, à son église. Attention, je ne suis pas en train de vous encourager à sortir de vos églises. La plupart d'entre vous n'avez pas le courage d'interpeller vos pasteurs et vos anciens là où vous pensez ne pas être d'accord. Alors commencez par ça. Ayez ce courage au moins. Je l'ai fait, moi. Je l'ai fait avec humilité et respect. Quand je ne comprenais pas un message, j'ai l'impression que le pasteur prêchait quelque chose qui passait. Et quelquefois, c'était dans l'ignorance de certaines vérités bibliques que mon pasteur prêchait. Eh bien, j'étais trouvé avec gentillesse, humilité, en disant, voilà, tu as prêché ça, mais dans l'Écriture, moi, je vois ça. Alors, qu'est-ce que tu penses, frère? 9 fois sur 10, c'est moi qui m'étais trompé. Parce que j'étais ignorant. Mais il l'a bien pris. Vous avez le droit de poser des questions. Mais la 10e fois, j'avais raison. Et il l'a reconnu. Il a eu le courage, l'humilité de le reconnaître. Mes amis, voilà pourquoi vous, alors depuis des années, au service du Seigneur, dites-vous, n'est-ce pas, vous, si les corruptions dans lesquelles vous avez baigné au départ de votre vie avec Dieu et auxquelles vous avez adhéré, n'est-ce pas, pourquoi est-ce qu'elles ne meurent pas en vous, ces corruptions? Eh bien, tout simplement parce que... Pourquoi est-ce qu'elle ne meurt pas en vous? Tout simplement parce que vous n'avez pas cherché la vérité. Eh bien, je vais vous dire une chose, vous ne serez pas enlevé. Vous ne serez pas enlevé. Donc, prenez avec le plus grand sérieux le fait que tous sont confinés en ce moment
Pourquoi, mes amis, si ce n'est pour développer en profondeur une marche humble dans l'obéissance, dans l'apprentissage de l'obéissance, qui est le signe que l'on aime Dieu. Très franchement, je vais vous... Très franchement. Vous savez, quand j'étais jeune dans le ministère, j'ai connu un vieux pasteur qui m'a dit « Tu as choisi le pire des travaux. » Le pire des travaux, pardon. Le pire. Le plus ingrat qui soit, pasteur, c'est « Tu vas souffrir, tu vas voir. » Et cet homme avait tellement souffert. Et il n'avait pas tort. Et je le dis très franchement, s'il n'y avait pas le fait que j'aime Dieu et que je sais que Dieu m'aime, ah oui, ça compte aussi ça. Je n'aurais pas pris un jour de ma vie pour faire ce que j'ai vécu depuis 40 ans. Pas un jour. Pas un jour. Alors pourquoi je l'ai fait ? Par obéissance. Et parce que j'aime Dieu, parce que je sais qu'il m'aime, ça me suffit. J'ai ma nourriture. Ça me suffit. Ça me suffit. Je suis déjà mort en Christ. Je suis déjà mort en Christ. Tout ce que vous pouvez m'infliger, certains, ok. C'est douloureux, c'est pénible, c'est difficile, c'est frustrant, c'est décourageant, c'est démoralisant, c'est tout ce que vous voulez. C'est... Ça fait honte. Ça donne de vous une image honteuse, certains. Mais après tout, c'est votre problème. C'est votre choix. Vous qui avez été mis à part du corps dans lequel, n'est-ce pas, vous n'apportiez que trouble sur trouble, prenez avec le plus extrême sérieux et dans l'urgence votre mise sous discipline. Mes amis, que vous soyez dans notre œuvre ou dans une autre œuvre, je ne sais pas. Dieu nous presse de toutes parts en ce moment. Tous, il semble que certains n'y comprennent rien. Mes amis, nous sommes comme des sardines mises dans une boîte. Hier, nous étions encore libres. Aujourd'hui, nous sommes enfermés. Et Dieu nous regarde à la loupe. Et veut savoir si nous sommes des sardines mortes ou si nous sommes des sardines vivantes. C'est une image un peu amusante peut-être pour finir un message très solennel, très difficile, mais autour d'une promesse pourtant exceptionnelle que je vais relire parce que ça vaut la peine de la relire. Car si nous croyons que Yeshua est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Vous voyez, moi je dis Yeshua ou Jésus. Voici, je n'attache pas d'importance à ces choses. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. C'est Paul qui le dit. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. C'est clair, il me semble. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et aussi ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours avec le Seigneur. C'est-à-dire que nous serons enlevés parce que nous sommes dignes d'être enlevés. Parce que Dieu a vu nos cœurs. Et pour pouvoir rester toujours avec le Seigneur, nous serons rendus parfaits. Vous entendez? Parfaits. C'est ça que je veux dire, nous serons toujours avec le Seigneur. Et puis, viendra le millénium. Pour moi, ça se passe à la fin de la tribulation, je ne suis pas d'accord avec Yomira. Mais qu'importe, je le répète, qu'importe, et laissez-moi tranquille avec ça. Ne m'envoyez pas un mail pour me dire, j'ai la preuve que l'enlèvement... Écoutez, non. Préoccupez-vous de savoir si vous allez être enlevé. Et plusieurs, beaucoup, même dans notre œuvre, vous ne serez pas enlevé. À moins que ne vienne maintenant, enfin, une prise de conscience violente, quelque chose qui vous secoue jusqu'au très fond, qui provoque un choc salutaire et vous amène à une
solide, réelle conversion. C'est tout ce que je peux vous souhaiter de mieux. Et alors je vous promets que votre joie sera réelle, que vous n'aurez plus ce visage parfois, chaque fois bizarre, malheureux, triste que vous avez certains, et qui montre que non, non, vous n'êtes pas une vierge sage. Je vous souhaite de tout cœur de le devenir tous, dans le bon nom de Yeshua. Mon message s'arrête là ce matin. Comme je vous l'ai dit, avant de commencer à enregistrer ce message, je mène un combat extraordinaire en ce moment. Je bénis le Seigneur pour les équipiers fidèles autour de moi. Et j'exhorte de tout mon cœur les autres qui devraient être impeccables, n'est-ce pas, à se réformer tant qu'il est temps, dans le nom de Yeshua. Soyez bénis, amen. À Shabbat prochain. Et rendez-vous pour la réunion de prière à ceux qui viendront mardi. Je signale à mon frère de Nice, je lui ai envoyé un truc par WhatsApp, je vais le joindre par WhatsApp dimanche ou lundi, parce que, en plus de tout le travail que je fais en ce moment, et j'en fais beaucoup, croyez-moi, eh bien, il faut quand même que j'essaye d'avoir le contact avec les uns et les autres. Donc, je te téléphone dimanche ou au plus tard lundi. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen, amen. Peut-être que nous pouvons prier courtement et faire dans nos cœurs, mais de manière sincère cette fois, cette prière. Je ne sais pas comment il faut prier. Après tout, c'est vous qui savez, c'est vous qui devez faire un choix. Prenez conscience au moins de ce que vous vivez n'importe comment depuis toujours, certains, sans aucune vraie soumission à Dieu. Et que vous avez couvert tout ça d'un... Vous savez, il y a un passage dans l'Écriture qui dit que les murs sont couverts de chaux et que les citernes sont crevassées. C'est dans le prophète Jérémie, je pense. Alors on peut mettre des couches épaisses comme ça de chaux sur nos maisons pour les faire blanches, mais derrière la muraille est pourrie, n'est-ce pas? Il n'y a rien. Et les citernes crevassées, c'est l'image de vos vies, du compromis, de la rébellion, où l'Esprit de Dieu ne peut pas répandre sa bénédiction parce que l'eau s'en va tout de suite. Beaucoup d'entre vous, vous n'êtes jamais bénis, vous n'êtes jamais heureux, vous n'êtes jamais satisfait, parce que vos citernes, les citernes de vos cœurs, sont crevassées. Et l'Esprit de Dieu ne peut pas descendre, ne peut pas habiter en vous. Vous le faites fuir, vous-même. J'espère que le message est tellement et suffisamment limpide ce matin pour que tout le monde réfléchisse où il en est. Et si tu en es là aujourd'hui, certains vous en êtes là, mais convertissez-vous. Sachez que Dieu vous aime, mais vous ne voulez pas de son amour. Vous voulez rester des rebelles, vous aimez ça. Vous m'en dites en hébreu, c'est où? C'est tout. Plaire à Dieu que quelque chose vous secoue maintenant et vous transforme. Vraiment. En enfant de Dieu. Amen.